Ça me dit rien qui vaille. Je crains que vous n'arriviez trop tard. Le duc Corwin a pris congé de la maison Rist à bord d'une navette il y a quelques instants seulement. Il avait l'air pressé. Si pressé qu'il a omis de me payer. Une violation de l'étiquette bien maladroite et mal avisée. Dites-moi où est parti le duc, et je m'en irai. Si je m'étais entretenu avec lui, je ne me plaindrais pas de dettes non payées. C'est tout de même étonnant qu'il ait paniqué ainsi. Je dois néanmoins vous féliciter d'avoir survécu aussi longtemps. Il n'en a pas été de même pour le dernier chasseur de primes à avoir pris le duc pour cible. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. J'ai une offre à vous faire, et je ne me répéterai pas. La maison Rist a été engagée pour éliminer le baron Zakhar Girard, ainsi que tous les dirigeants de la maison Girard. Nous souhaitons vous engager pour procéder à ces assassinats en notre nom. Vous me demandez de tuer mon employeur actuel? Ça se fait pas. Pas du tout. Attendez d'avoir empoché la récompense offerte par le baron Zakhar pour la tête du duc de Duracier avant de détruire la maison Girard. Rien ne presse. La maison Rist est libérée de ses obligations envers le duc Corwin. Si vous acceptez notre offre, nous vous laisserons en paix. Je lui fais pas confiance, chef. Zakhar a été honnête avec nous, je trouve qu'on devrait pas le trahir. C'est pourtant simple. Choisissez-vous la mort ou les crédits. Les crédits n'y feront rien. Quel dommage. Adieu, chasseuse.